Trop tôt, je pense. Bonjour la VOD. Bonjour la VOD. Oui, là c'est bon. On est sur Grandit. On a agrandi notre base de fou. On a fait des. Ça fait 3 heures qu'on se galère à faire un système de fou. Je vous ai épargné ça, même si c'était sympa, c'était surtout de la galère. Et là, il y a des abeilles partout maintenant. En fait, c'est la map qui a changé. Ah ouais. C'est... Oui, mais oui. Mais ça, on m'avait dit que la map changeait. Elle est vraiment sur nous. Quoi. On prend la grande tire. Tu l'as déjà prise? Non, je t'attends. Ok. Bon, on y va ensemble. Hop là. Et du coup, on a construit une tyrolienne pour aller à l'autre bout. Enfin, l'autre bout. À un bout de la map. À l'autre bout, hein. Clairement. Hein. Ouais, mais il y a plusieurs autres bouts. Elle voilà. est deux fois plus longue dans l'autre sens. C'est ça. Ça faudra faire. Ah oui, et le truc que je voulais faire, c'est que c'est la tyrolienne qui nous emmène là-bas, là. Faudrait que je fasse une échelle pour monter au château. Mais on fera ça quand on aura fini ces puces-là, je pense. Oh, c'est parti, j'ai pris. I love this. Tyrolienne. Alors, Cartman, c'est bien? Ah, je te jure. C'est de la merde. Mais trop d'écho, c'est de la reverb qu'il faut. C'est de la merde. Ouais, et du coup, on a une tyrolienne qui est bien tendue tout ça, mais qui est toute petite. Enfin, elle est elles très sont un légèrement peu lentes. Plus basse. On a l'aller en fait. Et on a réussi à faire le retour. Oh, mais c'est le que truc, la tête. C'était très très chiant. On la voit, le retour en dessous. Mais le truc, c'est que elles sont pas, voilà, elles sont pas à un niveau qui fait que ça va très vite. Du coup, c'est un peu le tourisme. Mais c'est sympa, hein. Ah, c'est quand même rapide, on est déjà quasiment arrivé en vrai, c'est quand même fou. Ah oui, non, mais c'est quand même, comme je dis, c'est quand même 100 fois plus rapide que ce qu'on fait de base. Merci. Et du coup, vu qu'on n'a plus de désherbant, et ben on a des nouvelles plantes qui sont apparues. Ah, regarde l'abeille. Oh, trop stylé. Ça a vraiment de la gueule, hein. Franchement, c'est quand même trop sympa, quoi. Genre, tu prends ta tyrolienne, t'as une énorme abeille qui passe. J'aurais jamais une aussi bonne expérience sur un jeu, je pense. Oh, c'est, ouais, au niveau jeu de survie, il est quand même exceptionnel. J'ai un puissant lit, je vais récupérer la science qui est là. Ça, ce sera fait. Alors, faut qu'on retrouve le labo, parce qu'on va bien explorer notre là-bas, labo. Donc c'était dans l'endroit pourri, hein, trop horrible. Ouais, c'était dans l'endroit des enfers. Et si on trouve... J'ai presque plus de trucs, je vais choper un pissenlit si on en trouve un. Ouais, ouais, il y en a dans cette région. Ah, des acariens, bah tu sais quoi, je vais les tuer. Ouais, c'est un duvet par sur eux. Oh putain, un coup d'épée. Ah ouais, c'est... Ah non, j'en ai 4 en 3, donc des fois ils en drop 2 en fait. Okay. Non mais... Prends le défonce. Ok, ça te prie. En vrai là j'en ai déjà eu 7. En fait c'est que ça va quand même plutôt vite quand tu les tues. Ouais, il attaque le puceron. Ouais. Trop marrant. Ouais, on l'a sauvé. Alors est-ce qu'on prend un petit pissenlit pendant qu'on y va? Ah, une mûche. Elles ont ni résistance ni faiblesse. Oui, elles ont rien du tout, elles. C'est quoi? C'est quoi? Oh non, non, c'est d'ailleurs. Coucine, elles vont se casser. C'est vraiment trop dur, ça. En fait, si on n'est pas plusieurs, qu'il y en a un qui kite et tout, c'est vraiment complexe. Ouais. Et puis, il nous faudra peut-être un masque à gaz amélioré ou une résistance différente. Oh. Ouais. Alors là, il y a des pierres pour améliorer. Non, mais il faut qu'on y aille, tu sais pourquoi? Il y a des pierres pour améliorer je les sais, armes. Je sais. Je suis tombé là-dedans tout à l'heure. Pour remonter, il faudra prendre cette branche-là, ça sera le plus simple. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait aussi. Et là, je récupère t'es un peu ce que ça nous en faut. T'es pas vu? Ouais. Ouais, j'ai sauté. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs des quartzites, là, qu'il en faut. T'as vu qu'on vient de les consommer pour améliorer l'arc. Mine de rien, l'amélioration fait beaucoup, quoi. Là, elle augmente de... Quartzite. Bah, elle augmente les dégâts de 50%. Enfin, il y a écrit 25, mais par rapport à... Fait beaucoup. Attention, là, elle est là. Et il ouais, est explosion. Faut que je les détruise, avec la hache, mais j'y pense pas. Ah là, il y en a, regarde, il y en a même par terre comme ça. Oui, j'en ai trouvé un. Ouais, j'en ai en trouvé deux. Oh, get away from me. Oh putain, attends, on se recule. Elles sont quatre. Ok. On va devoir les tuer, hein, je pense. Que... Ok. On se bat pas peut-être. Ouais, j'ai bloqué. Tu vois, on en a que deux en fait sur la gueule, c'est cool. On beurre celle-là. Oh, t'as la vie que je perds. Oh, je l'ai. Attends, on les clive. Regarde, t'as la vie qu'elle a. Elle s'est fait clive. Je sais pas si on clive, mais en tout cas, on les a. Le fait qu'elles soient alignées, ça faisait que je pense qu'elles se prenaient des coups. Peut-être qu'on les cliffe pas normalement, mais. Ouais, c'est exactement ça, je pense. Je pense que l'épée sert à ça un petit peu. On peut peut-être le faire. Juste devant. Ouais. Mais non, ça peut tourner évidemment.
Ouais, t'as touché là, les deux là. Ouais. Oh putain, ça casse, explose. Recule peut-être. J'ai perdu la moitié de ma vie. Mais par contre. Mais on la retrouve quand on. On la retrouve un peu. Ouais, c'est un peu. C'est bourrin, mais ça tient bien. Bah, à deux, c'est faisable quoi. Solo. C'est pourri une larve en vrai, hein. C'est tout pourri, hein. On devrait pas galérer autant. Enfin, c'est. Non, c'est les larves infectées. Oui, pardon. J'ai voulu les looter. J'ai voulu looter les. C'est quoi qui. C'est quoi qui m'attaque? Y'en a une coincée là-dedans, c'est sûr, dans les pierres, comme d'hab. Ah, mais d'accord. Ah, tu peux taper les deux. Je prends le marbre. Ou tu le prends? Ok, vas-y, je le drop. Vas-y, je drop les cailloux. Et moi, je te donne le quoi? Ah, ok. Ouais, bah, je te donne la larve. D'insectes, ouais. Voilà, puisque moi, je sais que j'ai pas beaucoup de place, vu que j'ai fait plein de torches. J'en ai, mais pas trop. Tiens, un truc de d'acarien, hop, et larve. Parfait. Voilà. Ok, est-ce que je sais plus. Ouais, moi j'étais remonté par la plante. La plante. Ah oui, c'est ça, je m'étais servi de l'herbe et de la plante ensuite. Moi je m'étais direct servi de cette plante là. Ah oui, oui, si, de l'herbe, t'as raison. Moi j'avais fait pareil. Ouais, mais moi je t'ai suivi donc ça me faisait kite. Ah bah pareil, hein. C'est l'enfer. Quand t'es solo, n'empêche, les 4 trucs sur ta gueule. Là, c'était de l'autre côté. Mais elle pouvait être partout en vrai. Tu pouvais très bien te faire avoir, tu sais, tomber, elles étaient là. Enfin, on a eu de la chance en vrai quand on est tombé. Ok, ça on s'en fout, on s'en fout. Ouais, on va faire avec le pissenlit. Ok. Tu l'as. T'as d'une solidité, eux. Si je fais X, c'est quoi? Ah, ils ont la 40 aujourd'hui? Bah ouais, hein, ça m'étonne pas. L'actrice qui joue Lana. Non, non. Je l'ai enlevé sans faire exprès. C'est pas grave, hein. Ouais bah, Lana de toute façon elle était de base très belle, donc même en vieillissant, si elle prend soin d'elle, elle sera toujours très jolie, hein, normalement. C'est clair. Hein. Là il y a un pissenlit lox, c'est nickel, puisque le mien est vraiment presque vide. Alors attends, moi je vais remonter, parce que je m'y suis prise comme une nulos. Les acariens, mais... Oh bah ils ont pété, le pissenlit, nickel. Alors par contre je trouve pas... Ouais, faut trouver, des... c'est ça qui est chiant. Ils sont là-haut. Ah yes, j'en ai un, oh voilà, ça me va. Je vais tâcher l'autre. Sinon, je vais me faire avoir. À moins que ça enchaîne. Alors, ça peut, on m'a dit que les torches fonctionnaient comme ça. Mais ça, ouais, non. Ouais, mais ça, les torches, mais ça je suis pas sûr. Enfin, je vais essayer tout de suite. Ouais, non, ça pète et tu tombes. Et ça n'équipe pas l'autre. Voilà, c'est réglé. Voilà. Bon, on avance, on se tire. Ouais, ouais, je te suis. Bah, je crois que c'est par là le labo, de toute façon, on va y être bientôt. Hein. Ouais. C'est juste derrière les cailloux. T'es suivi par un charançon. Et ils sont rapides, hein, aussi, hein. Il m'a tapé, quoi. Ah, c'est une autre bestiole, je crois. Ou alors c'est un autre charançon, peut-être. Peut-être là, je crois. C'est à partir de... Ah, mais attends, il y a un sac 31 cm. Oui, il y a un des sacs de 10 dedans, on est plus proche. Bon. Ah bah y'a même un des sacs carrément dedans, ouais, j'avais pas vu. On les fait? Ouais, je le préfère. Surtout que celle-là je l'ai eu en traître, donc le temps qu'elle réagisse, elle a perdu pas mal de vie. Fais gaffe, hein, moi je me suis tiré. Donc là, il y a du marbre, je le récupère pas, mais je le casse pour toi. Tu moucheron. Voilà. Ah, il y a d'autres cailloux, tiens. Ok, il y avait un morceau de fourmi rouge dedans. Ah, là, il y a du marbre, si tu veux. Je récupère la mouche. Les mouches. Ah, fourmi rouge, on s'en fout. Ouais, c'est marrant. Ça va nous prendre de la place pour remettre. Ce qui est bien aussi, c'est que l'épée nous utilise pas beaucoup d'endurance finalement par rapport à d'autres trucs. Et puis en plus, on a le buff qui réduit. Ah ouais. Et puis moi, j'ai mis l'amélioration qui l'augmente aussi. Ah, j'ai pris maître d'armes, moi. Bon, on peut se tirer. C'était pas celui-là, par contre, je suis planté. Comme ça, ça nous pète pas la gueule. Tu vois, on est pas loin parce que il y avait Didi qui était mort dans le labo, dans l'eau là.
Oh, je laisse tomber, je sauve. Les dégâts! Je sais pas si tu me follow. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu me suis. Le petit feu de camp qu'on avait fait. Ou que t'avais fait. Tiens, je grimpe là-dessus. Et là, il y a une herbe. On va faire un petit soin. Et hop là, voilà. Ah, c'est peut-être putain. Oh, il y a. Oh, il faut y aller dedans. Ah, de là, on n'est jamais allé dedans. Bah oui, parce qu'avant. Ok. Je peux grimper là sur le rocher à ta droite. T'avances. À ta droite, ouais. Yes. Là, tu tires de l'herbe. Viens, viens ici, ici, ici. Tire de, de l'herbe. Ouais, ça marche. Ouais. Ok. Et regarde là, tout ce qu'il y a dedans. Il y a de la science, une plume et beaucoup de rochers, machin. Ouais. Merde, il t'a sauté dessus. Merde, je regardais pas. Je regardais pas, j'avais lâché la manette. Alors, attends, je regardais à quoi c'est. Putain, mais il fait mal, il m'a enlevé deux tiers de ma vie. Ouais, pareil. Bon, je suis en train de me. J'étais en soin là. Il y a deux. En plus, il y a deux bombardiers gratos à loot. Ouais. C'est pas déconnant. Attends, je bois un coup. En fait, ils disent résistance, coupe, concassé, empalé, explosif, salé, épicé. Et c'est vraiment frais, tailladé. Tailladé, c'était la dague, ici, non oui. C'était quoi tailladé? Tailladé, c'est ouais la dague. C'est ça. Ah ouais, vas-y, je vais tester. On y va, je vais essayer de voir. On va direct dans le trou ou... Ah, tu veux, ok. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Oh, ça l'a... Bon, j'ai pris cher, mais... En fait, le deuxième coup, il lui enlève, franchement, 20%. J'ai accroché à toi de moi. Ouais, juste, je vais prendre un bandage, parce que je suis pas bien. Quoi? En fait, c'est toi qui l'avais, bon. Je vais peut-être tomber, hein. Je suis tellement mal. On attend un peu. On se pose. Regarde ma vie. Cible-moi. Mais j'ai une bouffe. Je vais prendre une bouffe, je peux pas rester comme ça. C'est trop risqué. Ah, si tu veux, un feu de camp à côté si tu veux faire cuire une bouffe que t'as peut-être eu. Non, mais j'en avais en avant, je sais que. Voilà, je voulais. Bon, vas-y, on... Bah, du coup, il nous reste deux petits. Ah oui, je l'ai eu, je l'ai pas encore testé. Ah bah putain, la vache. Ah oh, ouais. En plus, elle est galère à sauter. Mais bâtard, putain. J'atterris sur elle, elle explose deux fois direct. Appelle-moi Legolas. J'ai tellement plus de vie. Bon, ça va. Ouais, ouais, je pensais pas que t'avais. Enfin, je t'avais pas vu y aller. Je prends les anis. Ça fait très mal, y'a pas à dire. Ah, c'est pareil ça, trois coups, je pense. Enfin, là t'avais tiré un peu dessus, mais. On peut mourir vite. Donc c'est tailladé et c'est avec. Oh, mais y'a trois plumes, c'est beaucoup trop fou. Je laisserai prendre les plumes. On est faiblesse dans tous les jeux, de toute façon, on a... faut jamais sous-estimer, mais c'est vrai que c'est toujours étonnant de le voir en. Oh putain. Ah, je suis coincé. Moi j'ai pas de. J'ai pas de dague à part la dague aquatique. Ouais, je suis tombé mais elle est presque morte. Bon, je la tue. Mais je vis, fais gaffe au petit. Prends ton temps. Me reste pas. Ah, je les vois pas. Va les tuer. Enfin, en fait, ouais, t'as 22 secondes, tu peux les tuer, je pense. En plus, ça te heal là, ils te font pas très mal, non? Ouais, enfin, si, un petit peu. Ça te maintient? Peut-être. Ah, c'est trop fou l'épée quand je te vois là. Allez! Il y en a un troisième. Attends, ouais, essaye de me reste peut-être. Il est loin. Ah, il bouge pas. Ah, s'il tire. Le bâtard. Oh, il t'a raté. J'ai esquivé, j'ai esquivé. Dague, meilleure arme du jeu. Ouais, la dague, c'est vrai que je la sous-estime la un peu. La dague, parce que... incroyable. Parce que, bah, j'en ai eu. À part l'aquatique, j'en ai pas eu. Et ça tape encore plus vite que l'épée, en fait, j'ai l'impression. Ouais, ah, l'enchaînement d'attaque est vraiment stylé. Putain, je vais l'améliorer. Je crois que je vais l'améliorer, en fait. Moi, je pense que les créatures, je te laisse le reste. Tiens, je te casse un caillou ici. Quand même. Voilà, j'en avais une en plus et je l'ai posée en me disant bah j'utilise jamais, je vais pas la regarder, j'aurais peut-être dû la garder. Bah écoute, après de toute façon, c'est pas tout. Yep. Bah on se complète. Après, voilà, on vient. Ces créatures, on les a jamais trop combattues non plus. Là, on commence un peu. Donc forcément, on réinspecte et on se rend compte que. Mais... C'est vrai, récupérer les cailloux du fond. J'avais pété, ouais.
Normalement, ouais. Ouais, ok. Je vais casser. Attends, je vais casser ça déjà. La quartzite robuste, c'est rare. Un de ouf. Je crois que tu récupères le bombardier aussi. Bon, il y a la plume à côté. Ouais, de toute façon, je te cache juste la plume. Ouais. Ah, je prends les plumes. Ah, ouais, ouais. Bah, ouais, avec les insectes, c'est, tu sais, t'as 3-4 parties à chaque fois. Hein. T'as le corps, les pattes, l'ordard ou je sais pas quoi. Je commence un peu à. Et de la moisissure, dis-toi, j'en ai déjà 40, ça me fait 2 stacks. Il y en a besoin d'autant, parce que la moisissure. Le bombardier, ou... je le vois pas. Il est à côté de cette plume là. Ok. Mais non, mais tu l'as loot. J'en ai déjà loot 2. Ah, bah, ouais. C'est celui-là alors. Je te pète la plume. Des fois, il y a des plumes, elles donnent 4 trucs. Bon, c'est quand même bien d'avoir plusieurs plumes. Hein. Au niveau. Moi, il me reste une ligne d'inventaire. Ça, ça va, je suis pas trop mal, mais. Bah, moi, de toute façon, je vais utiliser des torches. Ouais, les mix-semi-sets là. Ah, tiens, il y a des pierres ici, là, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Pavillon. Ouais, quartzite, quartzite. Et là, là, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour, on a récupéré la science. C'est pas mal. On est dans la redécouverte, ça faisait bien. Tout le poison. Bon. C'est vrai qu'on a joué pas trop au poison. Enfin, on a un pote qui jouait poison, il nous empoisonnait vachement. Alors, c'était chiant. Plus blitz et full boost qui... poison. Ok. On a un pote qui jouait avec la dague poison. Il aurait tendance à nous mettre des petits coups, tu sais. Ah, c'était relou. On lui a dit arrête de jouer avec ça, on en avait marre. Lox, ça est morte peut-être une fois, quoi. Ou deux, même deux. Ah, j'étais empoisonné en tout cas. Ah, c'est ici? Je regarde, il y a un. Ah, y a oui, c'était là-bas. Devant nous, c'est tuyau apparent. Ouais, c'est ça. Ah, bah c'est ce tuyau-là, ouais. Ouais. En tout cas, on sait qu'on peut rentrer par là, c'est ok. Et toi, t'as le masque à gaz? Ah non, t'as le. Bah non, j'ai la coccinelle, ça fait une capuche. Non, mais j'entendais un bruit de respiration, c'était pas toi alors. Dans le jeu, j'entendais un. Et c'était un ronflement que je connaissais pas trop. Du coup, bah, je sais pas quelle bestiole c'était. Bon, t'as de la lumière, je la mets pas la lumière pour l'instant. Yep. Enfin, je vais attends, juste je vais mettre un petit bandage, parce que là on fait rien. Je vais mettre mon casque bleu. Tu me vois, ça va? Ouais, ouais. Ah, il y a des. Ah, bah oui. Ah merde, j'ai pas mis ma dague en. Ah, mais oui, voilà. Moi je l'ai. Cool. Attends, je la mets. Faut que je la trouve, parce que comme d'hab. Et dans l'eau, c'est pas pratique de se battre. Même si. Parce que la dague, par exemple, tu enchaînes pas dans l'eau. Bon, c'est. C'est au moins, vrai. Tu peux te battre. Et le trident, pareil, il est pas si fou. En plus, la mienne, c'est. J'ai pas. Je l'ai jamais fait. Oh, faudra pas en looter hein, trop des puces d'eau, parce que. Non, non, tu as trouvé une puce d'eau. Quoi? On l'avait jamais analysé. Tu l'as analysé? Alors, quand tu as dit que tu as trouvé une puce d'eau, je l'ai pas analysé. Bah, je sais pas. Mais je l'ai analysé après, c'était déjà fait. C'est le fait de la loot, je sais pas. Mais je trouve bizarre, on a tué 15 000 depuis d'eau. Peut-être j'ai eu un objet qu'on avait jamais sur elle, peut-être. Bon, non, bon, j'en sais rien. Tu m'as mis un coup là. Non, non, je me protégeais. Non. Après, ils font pas mal, mais c'est que c'est long de les tuer. Quoi. Ouais, et puis moi j'ai pas la dague améliorée. Fais gaffe à ta respiration aussi. Moi, je suis à 86. Ouais, moi je vais retourner parce que je sais plus où c'est. Je sais pas si c'est loin. Non, non, c'est pas très loin. Enfin, ouais, ça dépend combien t'as. 39. Là où je suis, tu peux respirer par exemple. Petite île empoisonnée. Bonsoir à Dan Life. J'ai plus la planète d'eau. Ah si si, de temps en temps. Mais c'est que cette semaine, on a une semaine full. Ah, on a eu la carte d'or là. C'est genre la carte normale de créature, mais version full bandit, pardon. Ah d'accord, mais c'est super rare. Parce que je crois que c'est la mais première. Mais j'y ai joué il y a une semaine à planète d'eau. C'est super rare alors, putain. La carte normale de la créature, mais version collector. Ok. Ah oh, bah ça explique certains trucs alors, d'accord. Ouais, mais j'ai. Tu viens? Je pense que c'est bien la seule. Ah oui, t'es là. Ouais. Mais après, il fallait aller. Alors, en fait, faut qu'on retourne là où il y avait le labo, vraiment. Et qu'on suive. What? Je crois que c'est une caméra. Et qu'on suive le fil rouge. Ok, bah c'est pas par là. Ça, c'était là où il y avait le méga milk molar au fond. Mais on avait pas de torche, j'ai pas vu grand chose, donc ça serait bien d'y aller. Ouais. On avait vu le molar, pas sur le truc, le milk là, parce que. Ah, moi, mes torches, elles s'enchaînent toutes seules. Il était jaune. Bien. Mais de mémoire, il y avait des aguironettes ici et là. Ouais. Ah, mais c'est loin. Oh, elle est coincée à moitié. Ouais, j'en suis. Oh, fou. Chier,
Ouais, et puis moi, mais du tout à les tuer, ça a vachement de vie par rapport à la taille du machin. Ah bah regarde, ouais, j'ai bien fait de revenir, il y avait un petit... mais il y avait rien. Ah cool. Bon, bah du coup. Ah oui non, mais c'est vrai que c'est de la merde. Je dis cool parce que je crois toujours que c'est un truc bien. Bah ça, c'est bien pour la collecte, on a. On aura peut-être un succès. Un truc de collecte, ouais voilà, c'est ça, c'est quand même sympa de les récupérer rien que pour ça, tu vois. Même si c'est vrai que ça change juste de la couleur. Et en plus j'ai essayé d'autres couleurs et j'arrive pas à m'y habituer, j'ai remis celle de base. C'est trop bizarre d'avoir le truc tout blanc, tout bleu, tout jaune, je m'y faisais pas. Effectivement, à Dead Life, je ne suis absolument pas monogaming comme on dit. Donc je fais plein de jeux. Donc c'est vrai que si on regarde pour un seul jeu, bah on risque d'être déçu. Ouais. Mais là quand même, dans ce jeu là, les insectes c'est un peu comme des animaux. T'as un peu un côté planète zoo quoi. Et puis du coup tu peux faire des décorations. Qui tente là. J'ai pensé à une vie, il y avait Stargate à la télé. Avec un superbe générique. Somebody save me. Ouais. Moi j'étais pas loin n'empêche. Oui oui. Presque les mêmes paroles. Surtout les paroles, ouais, effectivement. Moi je veux pas. Je vais mettre ma torche parce que je vois rien. Oh, c'est des trucs, ah, le fil rouge. Ok, il part de là. Un truc qui me suit, ça me. Mais il contourne et il va dans le labo. Attends, il. Bah non, regarde, il y a juste une lumière. Tout. Ah bah oui, mais c'est pas. Bah là, ça, c'était coup. Ouvert. Oh en putain fait... Non. T'es pas ouvert, ça s'est fermé. Nox, c'est verrouillé. Mais je peux rien faire. Y a une pute. Attends, je vais retourner dans le labo et je vais essayer de le rouvrir. Il y a une coccinelle corrompue et je suis dans un tout petit espace. Ouais, je vais essayer de l'ouvrir. Non. Oh non, mais je vais galérer, non, putain. Pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec. Aïe, 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 je prends des dégâts, bah oui. Merci beaucoup. Je suis dans un tout petit espace, c'est terrible, il y a de la moisissure partout. Ah, je peux pas ouvrir. Putain, comment je fais? Oh putain. Tu peux. Oh, quel enfer. Elle est sensible à quoi? Elle est sensible à quoi, elle? Sali... Ah putain, mais elle me tire dessus. Tu peux me dire à quoi elle est sensible? Ah oui. Tac tac, données. Elle est sensible, frais et concassage, marteau. Ah ouais, mais. Non, ça me pétait dessus. Je vais jamais tenir. J'arrive, je fais ce que je. Non, mais c'est fermé, mais, ça ouais, veut pas se couvrir. Je crois fait... que c'est l'événement en fait. Mais c'est horrible, tu meurs du coup, tu peux plus récupérer ton sac. Non, mais en plus, c'est des. Ah oui, t'as raison. Oh. Attends, je me suis fait un bandage. Faut que je kite là. Je vais die, je vais complètement mourir en fait. T'as peut-être un bouton de l'autre côté? Ouais, il y a une main, je peux mettre ma main. Sauf que bah, elle me laisse pas faire. Des bisous, dis-le, des gros bisous, très bonne nuit. Merci beaucoup. Elle était sur quoi la petite Kino? Elle discutait, tranquillou. Je suis en train de détruire déjà toutes les spores qui explosent en me baladant avec la hache. On va faire un terrain de baston. Heureusement que je peux kite. C'est l'horreur. Horrible, je m'attendais trop pas. Oh, je lui fais zéro dégâts. Non mais c'est trop chiant. C'est tellement l'abus. Je ah peut-être là. Ouais, le marteau ça marche non. Pas très bien. C'est pas génial. Mais... Non, elle a pété. Non! Non, mais je vais vraiment die. Franchement, c'est trop nul, j'ai envie de quitter le jeu là. Et pour... Elle a libéré, en fait, avec ses explosifs. Il y a des, tu sais, des genres de, d'endroits, tu sais, comme des corps dans du formol, tu vois, un peu, tu sais. Dans des labos, quoi. Ouais. Et ben, elle a libéré des larves, des trucs en les pétant. Je... Putain. Ça va être beaucoup trop dur. Bon, j'essaie de voir si depuis le campement, je peux, depuis le labo, je peux faire un truc. Mais c'est bâtard, quoi. T'es mort. Je suis mort. Je suis mort 10 fois. Ah, est-ce que ça s'est allez. Ouvert? Regardez. T'es mort. Et voilà. C'est l'horreur. Faut retourner au fil rouge, je pense. Bah ouais, j'y suis retourné. Je retourne à l'endroit où on avait ouvert. C'est gros fils. Ils changent les règles du jeu, c'est jamais arrivé là, tu sais, après 200 heures.
Ça c'est trop nul quoi. Bon, bah dis-moi si ça s'ouvre, j'ai libéré de toute façon. Ouais, libère au labo. Est-ce que ça a permis d'ouvrir? Je ressuscite au poste de recherche, c'est à côté tu crois? Bah c'est le poste de recherche, c'est pas le labo où on est là? Je sais pas, c'est une question. Non mais okay. C'est pas trop loin je pense. Ok, je crois que j'ai compris, c'est une autre porte qui re-ouvre la... un autre truc qui re-ouvre la porte. Tu te rappelles, c'est pas le truc dans l'eau sur lequel on avait appuyé là? Bah en fait c'était surtourné dans la pièce hein, où il y avait carrément la caméra qui montrait. Je pouvais rien faire, c'était ailleurs. Du coup bah je cherchais et je viens de voir et j'imagine à moins que ça soit ouvert parce que t'es mort. De toute façon ça n'a aucun rapport. Mais si c'est pas le cas bah c'est je sais ce que c'est maintenant. Je pourrais... On reste pas trop loin du labo. Il va se faire goumer mais parce que ça s'est fait... En fait la porte s'est refermée et verrouillée entre nous. Donc il s'est retrouvé face à l'équivalent d'un boss, hein, en gros, solo, et pas équipé, et enfin, voilà, avec un mob. Si, ça va, j'étais prêt, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait en plus des larves et tout, et en fait... Et dans un endroit restreint. Un endroit un peu restreint, et en fait, il y avait des trucs qui explosaient partout. Là, maintenant, ça ira mieux, parce que j'ai détruit tous les trucs qui explosent et tout. Ouais, et puis, maintenant, je ferai plus la connerie, quoi, je vais rentrer avec toi. Attends, je vois de l'eau. Je m'y attendais pas, j'avance. Bah oui, personne s'y attendait. Comme je dis, cet enculé de jeu, il change les codes. Quoi. C'est toujours intéressant, hein, mais c'est des enfoirés. Hein. Ok. Allez. Ça c'est bien ouvert. Ouais, donc fallait que je meure. Quoi. Si on rentre. Là, j'ai tué au moins la larve. Mais en fait, elle m'a bloqué. La coccinelle était là quand j'ai tué la larve. Donc elle a mis toutes ses bombes. Bah, c'était fini. Ouais, voilà, c'est ça. C'était la coccinelle là, elle fait toute la taille de ça. Bon bah, ok. Attends, faut que je me soigne. Par contre. Oui. Non, je suis bien soigné en fait. Mais... Tu sais quoi, je me mets un bandage. Non, vas-y. Bon bah on peut y aller si tu veux. Ok. Attends. Je vais mettre ma masse. Je vais l'équiper. Je vais la mettre à la place de ma pelle. J'ai pas trop besoin. Et je vais changer carrément mes mutations. En mode boss, c'est en mode arène. Barbare. C'est parti. Ok. La zone. Comme dans Elden Ring. Tu commences, la zone se ferme. Ok. À gauche. Regarde ça. T'as vu un peu la baise? Ah c'est cool, il n'y a plus les trucs qui sont détruits et il n'y a plus les larves. Parce qu'elle a fait pop. Tu vois, elle a détruit des trucs avec ses explosifs là. Ah putain, elle a refait. Je bouge un peu. Il y a plein de larves, il y a plein de larves. Il y a plein de tout je en fait. Je prends ma dague, je m'en occupe. Je vais essayer de m'en... Oh encore... Il y a encore plus de larves que tout à l'heure. C'est le fait qu'on soit deux. Peut-être. C'est bon, une de moins. On sait bien d'être deux parce que ça libère un peu. Attends, je me fais un petit soin. Hop. Ok. Fais gaffe. Et tu vois, il y avait un truc pour mettre la main là. Mais bon. C'est un peu compliqué. Limite, tu peux peut-être le faire maintenant. Hein. Non, mais il y a trop de petits qui me tirent dessus. Si y a un autre là, mob, on sera trop deg. C'est ça. Ouais, en plus, c'est ce que je me dis. Enfin, tout à l'heure j'aurais bien voulu le tenter mais... Ouh t'avais un à perdre. Ok j'ai tué deux petits... Ah allez sur toi vas-y je continue. Ouais. Je sais de la focus le plus possible. Arrêter. Oh j'ai perdu toute ma vie. Toute ma vie. Oh là. Moi aussi. Vite. Faut que je sois... Il doit le bandage. Oh je trouve rien dans l'inventaire. Consomme. Moi je l'ai toujours dans ma barre de tâche. Barre de tâche ça veut dire mais voilà. On raccourcit. J'ai même pas attaqué avec Xenia, elle a voulu me mettre un coup. Nickel. Ok, on a fini avec les merdes. Oh, elle m'a tué. Merde. Alors, je suis caché, mais elle a quand même réussi à me faire exploser. Je suis caché derrière un tuyau. Elle s'arrête pour tirer, j'ai un délai. Non, il y a des petits connards! Il te rate puisque t'as accroupi. Oh, bravo. Je me mets un soin vite. En fait, quand on reste, on est accroupi. Je crois que le jeu prévoit pas cette modification d'Xbox pour les mobs. Donc, si le projectile est passé gros, ça te touche pas. Ok, on a rien pour me heal. Voilà. Ouais. On se parle énormément. Je mets un peu de flèche, hein, ça descend pas beaucoup, mais ça délai. J'ai tellement pas de vie en fait. Aussi, moi. Je vais essayer d'avoir la flèche. J'avoue que c'est pas con. Je me re-soigne. Faut que je mette mes soins. Alors, faut viser peut-être. En haut à gauche. Si c'est comme l'autre coccinelle, peut-être que viser les jambes ça peut être bien. Je sais pas. Il n'y a pas écrit que les jambes sont son point faible. Je viens de vérifier, j'en appuie sur X vite fait.
Ça se fait, ça se fait. Oh putain, ça fait mal. Ok, je lui ai fait pas... J'ai fait beaucoup de dégâts. Oh, je vais crever. Moi, bon, elle est presque morte. Non, t'inquiète, t'inquiète. Oui, je la finis. Allez hop. Bon, voilà, tu la finis. Ouais. On l'a eu. Première mutation détectée. Prise de truffe. What is that? L'oxygène, du coup, 38 emplacements sur 40. Moi, je pourrais prendre des trucs s'il faut. Attends, c'est quoi? Je regarde la mutation parce que ça, ça peut être trop bien. La prise de truffe, c'est peut-être le poison aux explosifs, là, ça pourrait être pas mal. Merci beaucoup, Fernalou. Prise de truffe. Le champignon du brouillard s'est infiltré dans ton petit corps et ajoute son pouvoir. Non! Son pouvoir à tes attaques à main nue. Non, mais à main nue. Main nue. C'est pourri. On va jamais taper à main nue. Bah, je vais essayer. Vas-y, essaye sur moi si tu veux. J'ai récupéré Attends, ma vie. Vie. Ouais, moi je me soigne. Ah, mais ça me fait mal pas, en tout cas. Le truc. Ah bon? Ouais. Je trouve que ça me fait mal. Tu peux, ouais. Tu peux. Alors, c'est ou ça augmente pas mal les dégâts, ou ça marchera sur un mob. Et on entend des larves de l'autre côté, hein. Ouais, il y a plein de petits bavions, on va essayer. Attends, je mets ma torche, on va regarder. J'ai besoin de bouffe, moi. Attends, ah, j'en ai pas. On peut pas faire cuire de la bouffe. Fabriquer. Putain, ils ont abusé avec ça. Moi, je la retire. Bah non, j'ai rien du tout. Ouais, et puis ce qu'on a ici, c'est pas et mangeable. Bouffe, c'est pourri, non? Attends, viens, on explore bien. Ah si, ça fait un peu. Attends. On explore bien, il y a peut-être des... On s'enlève de la vie, quoi. Attends, écoute-moi. Avant, oui, putain, oui. Je te dis, attends, on explore bien, peut-être des barres de céréales, des trucs comme ça, il y en a souvent dans les trucs. Mais bon, t'as déjà bouffé. Merde. Oui, puis ça, je sais pas, c'est empoisonné. J'ai plus de vie du tout. C'est sympa. That's not pas so bad. Hein. Bon. Super. Allez, je suis bien content. On est parti. GG, merci beaucoup, vous êtes très chou. Comment ça va faire? Non, c'est où? Je sais pas. Attends, faut que je le soigne sur eux en fait. Ouais. Ouais, là je tape 3 en même temps. Ah, maître d'armes, je l'avais pas. Ça va un peu mieux? Ouais. Ah merde, c'est du marbre. Attends, je redrop. Et du marbre en plus, je te laisse le prendre. Ouais. Ah bah, le super plus, elle est là. Ah. C'est pas loin. C'est quoi ça? Merguez explosif. Oh, et t'as des barres de céréales en dessous? Ouais, j'en ai pris une. J'ai pas de place de toute façon, donc j'en prends qu'une juste pour me nourrir. Tu dois se stacker. Et on met de la vie. Ouais, prends les autres. Même moi j'ai pris, j'ai utilisé, c'est ça que je veux dire. Oublie pas, ouais, ça, nickel. Bon, on est bon. Oh, trop bien, putain. Bon, là, c'est fait. Protocole terre brûlée. Ah, c'est lui qui a foutu la merde volontairement. Probabilité d'échec de 95%. Je vous assure que les personnages sont beaucoup plus élevés. Allez-y, putain, c'est Burgel qui a me lancé ça. Enfin, bon, ça. Bah, c'est Wendell surtout. Hein. Bip bip boop. Faux bip sonore. Ouais. Fait de faux bip. Vous avez fait bip. Dommage qu'on puisse exploser la cartouche. Donc, on a retrouvé moi dans le laboratoire des fourmis noires. Donc, il y a vraiment un labo dans les fourmis noires, finalement. C'est dit, casse les codes. Enfin, casse les codes, mais il y a des trucs nouveaux qu'on s'y attend. Oui, en fait, le jeu évolue et c'est trop cool en fait. C'est juste que bon, bah quand c'est au niveau du combat, c'est bon. Moins cool. On pourrait aller aux fourmis noires, mais je pense qu'il faudrait rentrer, on va poser rentrer un peu des trucs avant. Ouais. Non, c'est bien, là, on a fait ce qu'on voulait faire. En plus, on est pas loin, on va pouvoir monter. Ah putain, c'est le seul défaut de notre truc. De quoi? Bah, remonter pour repartir, c'est pas si simple. J'avoue. En fait, faudrait vraiment qu'on fasse une échelle juste en dessous. Mais attendez. T'es où, Envy? Je suis sorti du labo. Mais je suis sorti par l'eau parce que je suis débile, moi. Ah ouais, non, moi j'aime pas l'eau.
pourrais. Non, mais je vois rien en fait. Le problème, c'est que j'ai plus de torches. Attendez, y'a un truc là. Après, oui, là, on sort, on est. Attendez. On est quand même à côté de l'échelle, donc ouais, je vais repartir. Ah, y'a un sac qui est là où t'es. Ah, tu pourras jamais tout prendre. Non, mais je n'en sais rien en fait. Regarde mon écran, c'est un écran noir. Je ne vois rien, je suis dans l'eau, dans le tunnel, sans éclairage. Ah, je sais pas, je vois pas, j'ai pas le stream. Enfin, je l'ai, mais baissé, tu sais. Alors. J'ai juste mis le chat. Où c'est à droite. Allez, c'est par là, ok. C'est bon, c'est bon. Putain. J'entendais les puces et tout. Tu t'es endormi, Sam, c'était bien. Non, mais là, je peux utiliser ma torche. Oui. Ah, ça va mieux. Putain, dans le jeu qui speedrun, j'ai que deux là. Genre, au niveau c'est de la caméra de tête, t'as une créature qui suit le. Ah bah c'est fini. Salut Vendis, comment ça va? C'est marrant. Merci. Ouais, non, là j'étais trop dans le noir, j'étais trop focus. Alors. Oui, il y a un sac à dos, je vais y aller. Ouais, Damlock, je suis là. Oh, Vendis est là, c'est fantastique. Oh, mais non, mais son sac il est dans la colonie des fourmis. Non, vas-y. On ouais, récupérera tout à l'heure. Ouais, là on va aller dormir, on va aller le récupérer, je pense. Ouais. Bah, de toute façon, on va aller à la colline des fourmis. Après, faudrait récupérer la super puce qui est dans l'eau aussi. Tu sais, on avait vu qu'il y en avait une deuxième dans l'eau quand on fait la carte. Et tu m'as dit, ouais, c'est la grotte des araignées là, on l'a pas explorée. Ah non, il y a pas Non, je t'ai jamais dit qu'il y a une super puce, j'ai dit qu'on l'avait pas explorée. Non, alors non, moi je t'ai. T'as pas besoin de me le dire, il y a écrit qu'il y a une super puce dans l'eau. Tu regardes la mare, il y a écrit puce de burgule manquante. Il y a un truc qui clignote et tout. Je te rappelle pas, on en avait parlé. Je regarde, il y a écrit. Ouais, mais je pense que c'est celle qu'on a déjà chopée. Elle est blanche d'ailleurs. Ah non, putain. Bah non, celles qu'on a déjà chopées, elles sont plus sur la mare. Trop bizarre, what the fuck. Bah oui, et c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, mais d'où il y a encore une puce dans l'eau et tu m'avais dit. C'est sûrement dans la grotte des araignées qu'on n'avait pas trop exploré. En parlant d'araignées, on est là à côté de moi. Je vais m'en aller. Non. Comment ça, non? Je réfute. Je réfute absolument toute accusation. Mais bien sûr. Alors, c'est là où t'es qu'on peut monter à l'échelle? Pas du tout, moi je suis à la tyrolienne déjà. Ok. Je suis parti. Je sais pas trop où il est l'endroit en fait. Bah, tu cherches le. T'es pas loin, oui. Ah, c'est en fait pas loin de la lanterne, t'as le truc. T'as le désherbant, et voilà. C'est à côté du désherbant, il me semble. Oui. Faut qu'on mette un point. J'en peux plus de ces crevasses là. Il faut faire le détour le plus long du monde. Ça me fait popcorn, mais finalement avec TV c'est mieux. Mais c'est fini popcorn surtout. Hein. Et tu vas pas me faire, hein. Il y avait Jean-Paul Roux, je crois, à popcorn aujourd'hui. Je vais dire en rediff. Ah oui, rediff. J'avoue. J'ai rien dit. Mais je pensais que tes rediffs étaient peut-être pas dispo, je savais pas. Bon, ça, non. Pardon, j'ai un. Ah oui, mais t'as écrit un porn-up. Je croyais que tu voulais dire popcorn, moi. L'émission. C'est les mêmes lettres, hein, en fait. Juste, t'as oublié C, bah là, t'en avais rajouté une en trop.
je peux pas. Ah, j'ai tout dépanné. J'ai plein de bouffe aussi. Y'a pas dit popcorn, mais c'est qu'il y a, en fait, vu qu'il y avait une lettre en plus et que c'était un P, bah c'est un peu logique que j'ai passé à ça. Mais parce que je suis vachement innocent. Et puis que c'est bien aujourd'hui popcorn, l'émission. Ah, c'est faire ça. Eh, en vrai, ça colle, il dit c'est un mardi, c'est toujours le mardi. Ok, ok, tiens, dit. Oui, un porno, mais ça, tu peux faire ça effectivement n'importe quand, enfin. Puis bon, c'est des films pour nous. Eh, franchement, en vrai, hein, la plupart d'entre vous, quand vous avez trouvé ce qui vous convient, vraiment, vous regardez plus de 10 minutes? Je pense pas. En fait, je peux pas passer à cause de cette putain de crevasse parce que la putain de crevasse me fait passer de du côté bah, où je. Mais quoi, je dors. Oui, bon, d'accord, ça changera rien. Mais... Peut-être deux jours, tu verras mieux. Bah, non, mais j'ai ma torche, hein, j'ai mis la torche. Ah, ok. Le problème, c'est que bah, en fait, sans, je sais pas du tout comment passer sans sans lit en fait. Je de ce côté-là particulier, je peux pas. À chaque fois, ça me fait remonter du même côté. L'endroit où je peux remonter. Et c'est l'opposé de là où il y a la tyrolienne. Non, bah j'ai pas trop le problème moi personnellement. Donc je sais pas. Bah je. Tu vois. Je rentre à pied, je sais pas. Non, mais sinon je dors déjà au moins pour passer la nuit, non? Mais la nuit est déjà passée! Ah, il est 6h. Ouais, bah c'est bon. Tu me fais chier. Je suis réveillé là. Tu me fais chier avec ton truc là. Et voilà, je suis réveillé. Ah, on a tu arrêtes plus de 10 minutes? Ah, moi je regarde 3 minutes. Mais bon. Il y a la demi-heure de recherche avant quoi. C'est ça, hein. Des fois, faut attendre la page 214. Hein. C'est surtout ça. J'avais vu un mème comme ça, tu sais, le mème de Pablo Escobar. Exactement. Il est tellement drôle. Et t'as juste un petit zoom sur le numéro de page. Oui. De porno, mais genre, il est à la page 214, justement. Je crois que ça venait de là. Et c'est en mode quand tu ne sais jamais, quand tu ne trouves pas ce que tu veux, ou je sais plus quoi. Quand tu cherches. Ça fait beaucoup rire. Un pack de francs anti-douleur sur AliExpress. J'ai jamais rien commandé sur AliExpress. Me dit que ce sera forcément toujours un truc qui risque de m'exploser dans les mains, alors j'ai peur. Genre tellement le matos est obscur et vient de tu ne sais pas d'où. T'as l'impression que... Tu dis ça, mais bon, tous les streamers ils prennent du Elgato. Dégueulasse. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Pourquoi ils prennent ça en fait? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Ouais, ouais, ouais. Il y en a, hein, mais typiquement, les stream decks, bah... T'as quelques marques qui s'y mettent, mais bah voilà, souvent tu préfères aussi le truc qui est où tu sais que c'est full compatible, tout, il y a plein de trucs qui sont faits pour ça et tout ça. Même si maintenant on a d'autres et je pense ouais, que ça peut être intéressant. Tout le monde a fait 1000 tutos, machin. Ouais non mais surtout ils ont plein de sur l'appli Stream Deck, mais t'as plein de plugins compatibles qui sont faits exprès pour en fait. Ce sera peut-être pas le cas si c'est pas du Elgato. C'est possible. Après, je sais peut-être maintenant ça s'ouvre un peu, mais c'était comme ça avant. Pour tout ce qui est truc de capture, bah pareil, t'as quoi? T'as Avermedia et ça. Et Avermedia, c'est un chouïa moins bien, entre guillemets, un chouïa plus pire, je dirais. Et après, bah voilà, pour tout ce qui est lampe et tout, mine de rien, bah eux ils font des lampes connectées où tu peux régler sur ton PC et tout. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je non comprends plus. Mieux un truc alors. Je me souviens d'un truc où MV, aux The Event, ils se foutaient de la gueule de Elgato.
et en même temps il critiquait son propre matos. Il disait non mais la lampe elle s'éteint parce que c'est de la merde et tout, c'est du Elgato, tu sais tous les streamers ils ont ça et tout. Je sais plus, il commençait à troll là-dessus. Et je me disais mais attends, et je comprenais pas trop parce que il avait l'air de critiquer en même temps sa propre lampe qui déconnait. Bah ouais, ils ont la lampe de stream. Tous des lampes Elgato, et en fait ouais. D'accord, j'ai compris, c'est parce que bah voilà, comme je me disais Elgato c'est de la merde, mais du coup c'est quand même ce qu'il avait parce qu'il avait pas trop le choix quoi. Franchement, ouais, enfin maintenant peut-être plus hein, mais c'est qu'aussi moi c'est des marques que je connais genre zéro. Du coup j'ose pas trop tenter non plus. Parce que ça peut être vraiment des imitations un peu dégueulasses plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que punaise, à une époque quand je cherchais certains trucs, t'avais que du Elgato quoi. Certains trucs un minimum qui va fonctionner quoi. Minimum, encore une fois. Après bon, pour mon Stream Deck, moi vraiment j'ai jamais eu de soucis. Pour ma lampe, j'ai galéré à la connecter, je peux la connecter que à mon téléphone, pas à mon PC, je sais pas pourquoi. Et pour mon truc de capture, putain, ça déconne un peu, mais beaucoup moins qu'AvarMedia, alors mais bon. Ça me ferait tellement chier, enfin, alors après business is business hein, les mecs qui sont au-dessus de ça, mais ça me ferait tellement chier qu'une marque enfin que j'ai créée ou je ne sais quoi, tu sais, soit affilée comme un truc kitsch, un peu pourri, mais que tout le monde prend parce qu'il y a rien d'autre, ça me ferait trop chier quand même quoi. Mais bon, en même temps le mec qui va dans son garage et qui a 8 Ferrari, et bon, je dis bon, c'est pas grave. Tu vois. C'est un peu ça. Mais j'y connais rien ça. C'est tellement non, mais pas c'est vraiment ça en fait, c'est business is business, en vrai c'est... Fais l'impasse sur tout. Hop. Pas si difficile. Partout. C'est quoi la suite là? Pour Minoir. Il va falloir vraiment qu'on fasse un petit pont ou je ne sais quoi, mais. Ce gouffre là me rend ouf. Mais c'est trop relou de faire des ponts, il faut des. Ouais. Des déserts. C'est quand même chiant. Non mais pas un pont, même juste un truc où on peut sauter de l'autre côté en fait, tu vois, genre un truc qui avance un peu, mais c'est impossible à construire dans cette zone, donc non en fait. Dans le jeu, ils auraient pu balancer une corde un peu facile, tu sais, de construire. Et une petite corde au pire, c'est un peu long quand tu montes, c'est pas pratique, machin, on pourrait peut-être faire une petite échelle, c'est peut-être un truc qui serait pas trop détruit, mais bon c'est un peu chiant parce qu'il faut des glands. Non, mais sinon je vais aller me chercher du pissenlit. C'est ça un café que j'ai pas vu passer. Ouais. Attends, donc on fait la botte fourmi noire maintenant, c'est salut sûr. Hertz. Ouais, mais je vais me chercher du pissenlit parce que sinon je pourrais jamais passer. Donc jamais faire la tyrolienne 2 à 12. Enfin, retourner. Du coup, je cherche juste un petit pissenlit. Ok, déjà je grignote un truc pour. Oui, bah ça, j'avais pas trop remarqué. Oh merde, c'est vrai que le pissenlit est toujours dans la zone où il y a la. Les fucking punaises. Faudrait qu'on se la fasse celle-là, elle est trop chiante. Même elle repop tous les jours quoi, ou presque. Ah ouais? C'est trop chiant. Ouais. Ça serait trop loin. Y'en a qu'un. Y'en a vraiment qu'un? Oh là. Ça c'est un truc que je reprochais beaucoup à Don't Starve. De quoi donc? Dans le jeu en fait, t'avais le principe des herbes, des trucs basiques qui repoussent, mais ils l'ont un peu poussé en mode réaliste. Et si tu replantes pas des arbres, ils vont pas se replanter tout seuls, tu vois. C'est bon, c'est sympa sur certains points, mais sur d'autres choses, c'est super relou. Par exemple, quand t'as fait toutes les roches de ta map, ouais. Ben, seuls les pluies de météorites t'en font réapparaître. C'est rare et franchement, elles mettent pas beaucoup de cailloux en plus. Pareil, les gemmes que tu as dans les tombes, dans Don't Starve, et ben une fois que t'as fait toutes les tombes de la map, voilà toutes les gemmes que t'auras, t'en auras pas plus. Ah oui, d'accord.
Bon, après ils nous mettaient des mods pour que... Tu vois, mais oh, comme tout le monde, hein. Sur oui. Monster. Bah. Là, dans Grounded, même les cailloux, tu les revois au bout de quelques jours. T'sais. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas forcément un jour. Ça peut être 2-3, mais au moins, peut-être tu peux refermer, bon. Tu vois. Et c'est logique, en vrai. Comme je dis, en vrai, les cailloux, ils sont tout le temps renouvelés et tout, les petits trucs comme ça, par les vers de terre, en fait. Bon, après, c'est un processus plus long, hein. Il suffit pas de 24 heures. Voilà, mais... Et puis là, tu parles des petits trucs, mais dans mon surf, là, c'est des grosses roches, genre... Ouais. Mais j'avoue, on n'a pas de vers de terre. Il y a des larves, mais il n'y a pas de vers de terre. Donc, à faire des meilleures pluies de météorites. Alors, dans ça, il faudrait que les pluies de météorites, déjà, elles puissent tomber, même quand tu n'es pas à un endroit. La statue est trop stylée. Voilà. Bon. Je vais aux toilettes, je reviens. Nickel. Je pense qu'il faut qu'on aille voir Bulgur. Je lui donne tous les noms. À chaque fois, je l'appelle n'importe comment. Bref, je vais voir le robot. Je l'ai marave, le pauvre, il était trop mignon. Ma statue. Ouais, t'as vu? Il est stylé, hein? C'est fourni. On en a éclaté quelques-unes, hein. Mais des fois, il nous attaquait aussi. Merci, Art, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans ce labo? J'ai pas vidé mes poches, moi. Je faisais ça comme ça avant. Là, ça explose, mais c'est peut-être au-dessus que ça explose parce que il y a une. Maintenant, il y a une araignée de loup complètement affectée, donc c'est peut-être elle qui est au-dessus de la base et qui explose de partout là, qui s'excite. C'est peut-être ça. Qui a pété? Bah c'est une excellente question, j'en ai aucune idée. Ah bah si, c'est Hertz. On s'est déjà tout détruit ici. Il est où le robot? Pourquoi je ne le vois pas? Le clou. Je trouve pas le robot. Un fantôme. Ah si. On va le chercher. Je te mets la super puce. Ok, ouais. C'est vrai ça qu'on est pas fait. Ah, y a peut-être, tu vas pouvoir peut-être acheter un bac en science. Traitement en cours. Super puce du pouillard. On a 5 000 points, Locke, si tu veux. Ouais, je décifre les propriétés intemporelles des champignons. Le désastre a frappé avant qu'il ne puisse terminer. Tous ces merveilleux souvenirs me reviennent. Bien, pas de nouvelles. Une partie de la recette du cocktail agrandissant est maintenant restaurée. Il nous reste cependant à la compléter. Il y a aussi d'étranges flashs dans Java Matic. Une cafetière? Une découverte. J'ai cependant aucune idée de mon attrait ou non pour le café, de la façon dont cela s'articule autour de notre problème. Encore une super puce. Ok. Bâtiment de production avancé, je peux avoir. Fournée. Prépare quelques trucs pour en faire des meilleurs trucs. Non mais...
Merci quoi, la description, il y a vraiment que ça. Prépare quelques trucs pour faire des meilleurs trucs. Lisier de champignons, une pâte épaisse à partir d'un... Ah oui, une lisier de champignons numéro 2. Brique en champignons numéro 2. Enfin, en 2. Ouais, je sais pas. On peut prendre bâtiment de production avancée pour les trucs qui préparent des trucs. On a toit en plume. On peut faire des toits en plume. C'est bien en défense, mais ça coûte des plumes. Ouais, bof. C'est quoi le truc des bâtiments de production? Ça a l'air bien. Bah en fait ça donne lisier de champignons 2, tu sais, c'est... Ah mais ça je comprends pâte. Rien. Mais moi aussi on en fait jamais. J'ai essayé d'en poser pour voir si ça pourrait tirer des bêtes, ça marchait pas. Ah mais faudrait qu'on fabrique une brique en champignons et qu'on l'analyse, parce que je vois il y a écrit non analysé. Et avec je ne sais plus quel truc on peut fabriquer ça. Bah avec le fourneau je crois. Ah on peut faire des trucs incurvés. Base incurvée, donc on peut faire des trucs de base incurvée. Livre de recettes étang. Soupe de nageoire. Oh, avec quoi? Eh, ça c'est bien ça. Non, ça va bien, c'est avec des puces d'eau. Ah d'accord, lisier de champignons, utile pour appâter le charançon. Ah, ok. Lisier végétal, utile pour appâter puceron. Ouais, t'en poses et ils vont dessus. Bah comme j'avais fait. Sauf que oui, je les ai mis dans la base, donc ok. Une tourelle à pollen. Quoi? Ouais, une tourelle. Oh, j'arrête de me spoil. Un stationnaire qui nécessite un contrôle manuel. Lance des boulettes de pollen sur les ennemis volants pour les faire tomber au sol. Je spoil sur un truc qui a écrit niche pour un. Il m'écoute pas en fait. Oui, pardon. Mais c'était trop bien. L'infecté, c'est mon nom de jury. Ouais, on a croisé plein d'infectés. Tourelle stationnaire qui nécessite un contrôle manuel. Lance des boulettes de pollen sur les ennemis volants pour les faire tomber au sol. Inflige dégâts supplémentaires aux créatures impliquées dans les événements défensifs. Comme tu le sens. Hein. Je pense qu'il te semble intéressant ou bien. J'avoue, à chaque fois j'ai pris ce qui me semblait bien. On peut avoir une amélioration en module de détecteur de ressources. Mais bon, je sais pas si on l'utilise beaucoup. Oh, une tourelle à gravillon. Tu veux que je te fasse un truc de champignon là? Ouais, il faudrait une brique en champignon, c'est un bol en fait où il y a un truc de champignon dedans. Je pense que c'est ça, il faut qu'on analyse. D'accord. Cocktail agrandissant. Ouais, on a la moitié. Il faudrait du chewing-gum pour 5. Brique en champignon. Ah, en fait, si tu vois la petite mouche bizarre qui danse, c'est que c'est pas analysé, c'est ça? Ah non, non, c'est qu'il y avait écrit non analysé clairement. En fait, moi je vois dans les recettes qu'il me propose, bah il parle du brique en champignon, mais écrit non analysé, alors que champignon. Alors que le lisier de champignon est écrit analysé. Ok. Donc j'imagine que. Vu qu'on l'a jamais fait. Effectivement. Je l'ai construit. Fournée. Ah, il faut une fournée. Hein? Non, ça c'est un nouveau truc que je viens de débloquer. Ah bah oui, mais faut la... il est écrit, il faut fourner pour faire la brique à champignons. Ah, je pensais qu'on pouvait faire la niveau 1 déjà. Parce que moi c'est la niveau 2 que j'ai débloqué. Non. Ok, bah je garde pour la suite. On a des milk, super milk, Non, non, mais ouais, enfin... Ah, petit casque noir. Donnez à vos petits amis insectes un style samouraï avec cet équipement fin construit à partir d'une tête de fourmi noire entière et doublée d'un duvet acarien extrêmement confortable. De quoi? Mais ça veut dire qu'on peut avoir des pets? Bah regarde, c'est ce que je te disais, ouvre ton... Mets ton truc de fabrication et tu vas dans les armures et tu descends tout en bas. Insecte de compagnie. Oh mais je veux un insecte de compagnie.
Attends, je m'en renseigne. Ouais, faut mettre du lisier, ça j'ai l'espoir. Ah, mais d'accord, ok. Bah vas-y, fais-en et on va avoir des pucerons de compagnie. Moi je veux que mon perso il a un gros pif. Ah, on peut avoir des insectes de compagnie. Oh, ils ont un commentateur sur. J'ai mal au crâne. J'ai des cures. La fin de stream, il est tout. Si vous avez pas fait le DLC, cassez-vous, cassez-vous. Revenez dans 40 minutes, parce que c'est très spoilant. What the fuck? Sans déconner, tu te fais spoiler en regardant speedrun? Non. Sans déconner. Les gens sont pas au courant. Oui. Ils voient juste littéralement la fin d'un jeu, mais c'est pas grave. Un jeu jusqu'à la fin. J'ai un lisier végétal. Un lisier viande pourrie. Un lisier champignon. Je me suis rendu compte que j'ai pas du tout vidé mes poches. Voilà, j'ai vidé mes poches. Il me reste plein de torches, je vais peut-être en virer. J'ai réparé mon épée. Mais ça a demandé un petit peu de ressources. Le pire commentaire que j'ai jamais entendu de ma life. Ouais, alors épée larvaire pourrissante, c'est ça. Attends, je vais me faire une dague moi. Fais la 2, tu peux. Ah oui, il faut que je me fasse la 2 aquatique. En fait, la prochaine épée qu'il faudrait se faire, c'est l'épée fourmis noire. Ah, on a plus d'arête. Ouais. C'est vrai. Où on a la dague arachnide, mais on a plus de calissaire. Ah, c'est ça la dague qui pourrait être pas mal. Dague d'araignée loup, quoi. Lance à dard. Ah oui, on peut faire la lance. Ouais. Mais... L'épée de fourmis noire, c'est pas de bien. Ouais, mais on peut pas, on n'a même pas de mandibule. Non mais fais-toi le dague en os, je crois que c'est en os. Okay. Dague osseuse, c'est celle-là, la rend 2. Oui mais je peux pas. Ah t'arrêtes abyssal. Non, on en avait qu'une et j'ai dû l'utiliser pour réparer mon casque. Okay. Mais on peut... Je peux leur changer vite fait, hein, c'est rapide. Ouais. Le sample il est pété ou bien? Non, il est là le sample, mais j'ai pas enregistré ce que j'avais fait hier comme sample, ils étaient trop bien mes samples. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Alors. Moi je vais dans l'eau. Ah non, il fait faire nuit. Moi je veux pas dans l'eau. Épaulière arachnéenne. Yeri, armure moyenne, régénération rapide. Défense est élevée, mais pour tous les plastrons, même coccinelle, c'est pareil. Ok, donc non, c'est pas bon. Oh, coccinelle, c'est bien. Hein. Ok. Bah, on va aller dodo et puis j'irai après. Tu peux y aller, ça prend 2 secondes. Mais c'est qu'il va faire nuit, je vais tuer, non? Bah tu te prends... De toute façon il te faut une torche en bas hein, dans la face quoi qu'il arrive. Oui. Mais c'est qu'il ça va peut-être être long. Là tu vas, ça va prendre vraiment... Non mais c'est tu vas en bas dans le truc abyssal et... Mm-hmm. Et t'en as plein. T'en as... Ça sera pas long. Moi je voulais en profiter... Palme. Ouais voilà, je voulais en profiter pour... Ah putain, ça a l'air... Armoring up. En profiter pour peut-être partir là-bas. Je peux pas expliquer sur le live, ça dit XP, se fout de ma gueule. En ce moment, tous les sites se foutent de ta gueule. Il faut que t'arrêtes internet. Sauf Switch, évidemment. Pour la Vox, c'était Vio. Ok. Faut que je fasse des échelles, il me faut de la fin. C'est lourd. Thank you.
Ah mais c'est une pelle qu'il me faut, c'est vrai. Mettre à la place de l'arc pour le moment. Globalement, en ce moment, ma vie entière se fout de ma gueule, mais AliExpress, au moins, c'est drôle. C'est qu'il comprend pas ta recherche et il te met n'importe quoi, j'imagine. Mais je vois rien, ça sert à rien, cette truc. Oh oui, ça, c'est bien ça. Taper. J'ai combien de respiration? Non! Non, mais moi je peux pas prendre les arêtes. Hein. Faut vraiment que ce soit toi qui le fasse. Hein. De quoi? Moi les arêtes je peux pas les prendre, ça marche pas. C'est le bug complet. J'en ai deux là en face de moi. En fait je les déterre et puis après elles remontaient en permanence. Sauf qu'en fait elles reviennent à leur point de départ tout le temps et je spam eux, ça ne fait rien. Là j'en ai deux là qui du coup bah, sont complètement buggés. C'est vraiment ultra giga lourd. J'ai tué les araignées pour être tranquille. T'arrête. T'as tué les araignées pour être tranquille et quoi? Bah pour être tranquille, pour pouvoir mettre des... En poser des bouts de bois, mais en allant dormir elles vont repop, donc j'aimerais juste finir ça. Ok. Oh nice. C'est pas grave, je me reprends ma dague en un moment, hein. c'est pas vraiment précis en vrai. Non mais je vais te mettre la pression. Ouais. Au pire, est-ce que tu peux prendre des... C'était quoi pour l'échelle? C'était des trucs de glandes et capuchons, non? Moi je vais aller dans l'eau et je vais te laisser finir ça aussi. Ouais, mais on en a plein, hein. Mais t'es parti loin? T'es parti où? Bah juste avec la tyrolienne on arrive là. Mais pourquoi là-bas en particulier t'étais? Je commence à préparer des choses. En gros, il faut que tu prennes juste des capuchons, tu viennes, tu commences à faire une échelle. Tranquillement. À mettre plein de trucs en haut, ça devrait suffire.
Je vais dans l'eau vite fait. Ok. Putain, c'est chiant, tu peux aller prendre des arrêts. Ouais, bah j'ai souvent vu des trucs buggy comme ça, mais quand c'est des mobs, ils finissent par bouger. Elle l'arrête, bah juste elle. Elle fait des allers-retours constamment. Oh, la nuit c'est chaud. Hein. Un peu. Les araignées sont pas trop aussi, je crois. Ils sont comme deux. Une connerie, je suis une connerie. Je sais pas si je vois celle que t'as déjà déterrée. Elles sont tout au fond là où tu avais trouvé les tiennes. Ouais, mais j'en ai pas trouvé des... pas enterrées justement. Ah bah c'est que voilà, le jeu considère que je les ai pas retirées, c'est pour ça que je peux pas les prendre, sauf que bah... moi, pour moi, elles remontent à la surface en parma quoi. En gros, quand elles... tu sais, quand tu les déterres là... il faut les cibler, appuyer sur E. Ta gueule. Ah si, j'en vois deux. Là. Oui, d'accord, t'étais allé un petit peu plus loin. Ouais, j'ai réussi à en avoir une. Et deux autres, jamais pu. Bon, bah, c'est bon, j'en ai quatre, c'est bon. Il y en a, ça me fait marrer. Elle est littéralement posée, elle est pas enterrée. Mais il faudrait mettre un coup de pelle dessus. Du coup, j'en fais quoi de mes glands? T'es allé à... t'as pris la tyrolienne qui amenait au fond du jardin là? Ouais. T'as un trampoline, t'as vu normalement? Ouais. Sers-toi-en pour sauter, passer au-dessus et continuer à aller plus au fond. Ouais, moi je suis déjà tombé hein. Ah ouais, ouais. D'un moment. Ouais, mais tu me dis pas aussi. J'ai pas dit de sauter hein. Pourquoi tu l'as fait? Bah c'est parce qu'en fait j'ai vu en bas plein de trucs de bout de bois. Et du coup je me suis dit ah bah l'échelle doit être au bord. Et j'ai voulu descendre et voilà. J'ai suivi tes bouts de bois en fait, tes tiges. Mais le casque... en train d'arriver. Un peu plus rapide celle-là. Mmh. Mmh, un petit peu. Gagne en vitesse. Super. J'ai voulu sauter pour atterrir. Faut avec pas toi. Tomber, hein. Oui, mais j'ai tenté un truc. Bah ouais. Ouais, bah c'est pas. De toute façon, en fait, fallait qu'on soit un en bas en haut. Hein? Va de l'autre côté là-bas. Oui, va, descends là, sur cette partie-là. Mmh. Voilà. Et là, en fait, faudrait commencer à faire. En fait, je sais pas trop. Enfin... est-ce que... non mais est-ce qu'on se sert de... voilà ou pas? Est-ce que... en fait ce que j'aimerais c'est monter tout en haut, comme tu vois. J'aimerais commencer une échelle en fait. Peut-être pas mal. Mais... non. Tout en haut où? Des cailloux là? Ouais, tout en haut, ouais. Pour aller au château, le château est derrière en fait. Non mais je suis sûr que comme d'hab, il y aura une entrée quelque part facile et qu'on va oui, se galérer pour mais rien. Mais je m'en fous. Oui, non, il n'y aura jamais d'entrée facile, ça prendra 3 millions d'années à faire le jamais. Tour du monde. Oui, ça prendra 3 millions d'années. Il y aura sûrement un labo. C'est... oui, sauf que ça prendra 3 milliards d'années, tu ne m'écoutes pas. Alors si tu t'écoutes, et en fait, vu que tu es dans l'hyperbole la plus totale, effectivement, je n'y donne pas beaucoup d'intérêt. 3 milliards d'années, c'est ce qu'on va mettre à construire ton truc. Non. D'accord. Non. Bah, c'est rapide, il y a de la Svetlins partout, je te l'envoie, on le fait.
c'est le principe de toutes les tyroliennes qu'on a fait, hein. On y allait par d'autres endroits à la base. Mais... Non mais les tyroliennes, en fait, c'est parce qu'on voulait gagner du temps. Là, tu veux aller quelque part où le jeu aura sûrement prévu, comme pour le truc de la... Non mais je veux pas y aller maintenant, je veux le construire pour que quand on aura y aller, quand on aura fini, on pourra y aller rapidement, sans se galérer et tout. Exactement comme on a fait avec les fourmis noires. C'est juste une échelle, hein, c'est pas grand chose. Et en plus, l'adventice, il y en a énormément, c'est pour ça. Non mais ça va prendre des heures. Mais c'est pas grave, je le ferai. On va dormir, je le ferai. Bon bah je rebouche chemin du coup, je m'en vais. Oui. Bon bah c'était sympa. Bah tu veux pas le faire, tant pis je le ferai. Bah c'est que oui, faire un escalier qui va aussi... Oh ouais, j'avoue que ça va être très long. Effectivement, ça m'en mangerait pas trop quoi. On a déjà passé vachement de temps à faire une tyrolienne. Repasser vachement de temps à faire un escalier, c'est pas... C'est le jeu, hein. Bah non, pour moi le jeu c'est avancer comme le jeu nous dit d'avancer et récolter la dernière puce mais qui est sous l'eau. Mais ça change pas que les raccourcis on se les fait parce que c'est pratique. Récolter du coup la dernière puce qui est sous l'eau pour que Bulker nous donne justement un point, un truc, une carte d'accès, je sais pas quoi, ça va nous ouvrir un labo et paf. Comme table, le labo oui, il pètera à plein d'endroits. Et on mettra littéralement 4 millions d'années à faire tout le tour et tu le sais très bien. Alors que mais il faudra explorer de toute façon, donc oui. Oui, faudra, oui, pour la première fois et après ça sera pareil, on voudra de toute façon le faire. C'est pour ça que de toute façon j'ai fait la tyrolienne à la base. Hein. C'était avant tout pour le château, je l'avais même dit hier. J'avais dit le but c'est d'aller là-bas dans le coin, ensuite de faire une échelle. Oui, mais je pensais et comme qu'on ça, irait quand dans on aura besoin coin, d'aller au château en... ou dans cette partie du jardin. On en RP, selon le jeu, quand il nous dit d'y aller, ben on y va. Ah oui, mais là je veux juste construire l'échelle, je ne veux pas aller au-delà. Bah, c'est dommage de la construire quand on voudra aller au-delà. Bah, ça reste chiant à n'importe quel moment. Là, c'était qu'il n'y avait rien à faire. Oh, toi, bah, t'étais si, parti chercher tes arêtes. Toi, t'étais parti chercher tes arêtes, il y avait 3 heures avant de dormir. Bah oui, je voulais le faire. Je suis allé chercher tes arêtes, j'aurais voulu juste que tu commences à construire en attendant. Pourquoi t'as l'air énervé pour... Bah oui, c'était pour pas rien faire, c'est tout. Oui, enfin, ça c'est... Encore une fois, ça va être un truc qui va prendre des heures... Mais non. Pour de vrai. Pas des heures dans le jeu. Bah rien que la tyrolienne, t'as vu le temps ? Deux heures et demie, hein. Ça a rien à voir. C'est super proche de la base, et on a énormément d'adventures, vraiment énormément. Pour ça, là, non, ça risque à rien, c'était pas trop long. En plus, j'en ai déjà mis. J'ai peut-être déjà mis tout l'adventice qu'il faut, il manquait que les. Clairement pas. Clairement pas. T'as vu la hauteur ? C'est aussi, je voulais faire aussi pour la dernière partie un trampoline. Pour sauter directement de l'autre côté et gratter 3-4 échelles. Oh, c'est ok, c'est large. Putain, j'ai niqué trop de soin. Tu les as reposées, les têtes de gland, je trouve pas. Elles sont là. Tu fais N. I'm ready to hit the sack. Ah mais mon frère, des fois, il a des... Oh putain, c'est des vrai, obsessions. Parler à Burgul. On est même pas des êtres humains, en fait, ou c'est nos combis. Bah on est tout petits. Non mais les combis, elles sont bien. On est des enfants aussi. J'entends aussi en étouffé hein, les... Ah ouais mais d'accord quoi. En fait ils nous envoyaient là pour crever quoi. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris j'avoue. Il a gueulé parce que il l'avait pas écouté et du coup. Par licenciement moi je suis sûr il venait. Ouais, sauf que c'est trop bizarre qu'on voit les souvenirs du professeur Wendell alors qu'on est des enfants.
Bah de toute façon, j'aime bien son sorti. Est-ce qu'on est alors oui. Après alors, même avec la suspension d'incrédulité consentie, ça fait bizarre qu'on ait souvenir de quelqu'un d'autre. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Encore un truc que je peux pas ramasser. Bon bah, tant pis. Le jeu veut plus jamais que je ramasse quoi que ce soit. Ça me saoule. On est mort. Putain, c'est quoi ce délire? Ah merde, je crois que je l'ai tiré trop loin. Feeling refreshed. Ok. Bon. Ah non, c'est... Je suis trop loin, ouais. Bon, j'attends que ça se soit fait. Ok, c'est bon. Sujet dalle. Je t'ai mis les arêtes, tu les avais utilisées. Bon. Non. T'as vu au loin aussi les... ce truc. Les tiges là avec le flou, ça bug un peu. Le visuel. Et tous les fils de nos tyroliennes. Ah oui, oui, oui. J'ai vu. C'est un peu chaud. Bah moi, c'est vous. C'est la dague osseuse. Ouais. Ah oui. Ok. Ah ouais, merci beaucoup. Elle est là. L'autre dague, je vais l'acheter puisque on s'en fout un peu. Bonne Yvan, dis des bisous. Repose-toi bien, tchou-tchou. Salut Vendels. T'as trouvé ton nouveau hobby, Sam ? De perdre sur AliExpress pour regarder des recherches improbables. Je sais pas si je peux mettre une échelle. N'importe. Pour aller au ciel. Faut que je bouffe, faut que je bouffe, faut que je bouffe. Je vais bouffer, je vais bouffer, je vais bouffer. Ah mais quoi, je peux les cumuler les échelles alors que j'ai jamais pu. C'est quoi ce délire? C'est grâce à la fonderie qui améliore des trucs en meilleurs trucs. En aucun point. C'est ça. Est-ce qu'on n'irait pas chercher la puce qui est dans l'eau? Comme ça, c'est fait. Bah moi, je vais finir mon échelle. J'ai bientôt fini, là. Pour aller au ciel. Ça vous a fait peur. Tu sais comment je construis? Pas du tout. Avec le trampoline. C'est pas con. Je suis déjà là. J'ai essayé de te voir au loin. Mètres, c'est fini. J'avais largement assez d'adventice, ouais, j'étais bien. J'aurais tellement, j'en ai chopé tellement. Ah mais attends, je peux. Ah c'est de... Merde, j'ai fait à l'envers. Non. Je vois tout bugger. Ah, tu montes à l'échelle là? Ouais. Oh punaise, ça voler. Fait. Enfin, ouais, ouais, complètement. Ça fait très bizarre. Non, non. Par contre, je veux pas retomber. Je ne veux pas retomber, j'ai dit. Ah, oui, c'est vrai que j'ai oublié cet élément. Où des fois tu tombes. Tu fais de merde comme ça. Putain, je vois aucun élément que t'as mis. Du coup, je te vois sauter comme pas possible, tomber, voler. C'est... Je cheat. Oui. Alors. Okay, donc, je suis pas mal haut. Bah, je pourrais faire un support maintenant. Insupportable.
mais non, je l'ai fait à l'envers, par contre, c'est l'horreur. Oh, c'est l'horreur. Ah, bah, le space. Je veux mettre mon plancher en air. Ah non, mais j'ai oublié les herbes. Il te faut des herbes. Ouais. Chier. Quoi, comme herbes, les petites, les grandes? Non, les herbes, les grandes là, tu sais, les planches. Faut que je vienne. Faut que tu m'en... Tu peux venir... à pied... en apportant, tu sais, des trucs d'herbe là, directement. Oui, oui, je peux, ouais. C'est sympa, quoi. Non, mais c'est tout proche. Enfin, c'est vraiment pas très loin. On est à combien de centimètres, là? Je vois pas, je suis haut, là. On est à 190 centimètres. Ouais. Oui, mais je vais devoir contourner 1000 bestioles. De quoi? Contourner 1000 bestioles. Ah non, il y a rien du tout. Tu suis la flotte, il y a rien du tout. Même les araignées, du coup, t'en as pas. Bah si, tu risques de recroiser Charence ou le Pucheron, mais... Ça va. Oh mince, j'ai pas remis ma cam après la cinématique. Franchement, j'ai mal aux petits doigts. À force d'appuyer tout le temps sur courir. Mais non, mais je l'ai mis à l'envers. Pas d'en faire tomber, putain. Nickel, t'as... Ah oui. On va ? Attends. Tu devras faire des palissades. Enfin, des palissades, pardon, des... Chut. Je suis tombé. Je t'ai mis le trampoline pour moi. Comment ça s'appelle ? Tu vas devoir faire des échafaudages. Moi non, pas clair visiblement. Et l'échelle a un poids de support. Donc là ça marche parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de base en dessous. Parce que oui, mais si tu continues. Bah j'en sais rien, non, je pense pas. Je vais en mettre de spécial dessus. Ok. Pourquoi je vais faire ça déjà? J'ai oublié, pourquoi je vais faire ça? Bah tu l'as mis dans le mauvais sens, mais c'était sans doute pour faire un pont. Oh non, mais pourquoi je... Ah bah... Chier. Attends, je vais faire ça. Ok. Ah oui, si, je sais, ok, si. Est-ce que tu pourrais me balancer des bouts de bois, comme je faisais? Tu les prends deux par deux. Là, tu es au-dessus de toi. On voit pas. Tu viens de ce côté-là. Tu le mets bien droit, ouais. Mais moi, ça fait pas comme toi. Hein. Tu peux pas lancer très haut. Ouais, tu fais un... Tu appuies sur R et ensuite tu sautes. Vu en échange de place, ça se trouve c'est parce que t'es joueur 2, t'es pas host. Ouais, j'arrive vraiment jamais à lancer haut du tout, quoi. Bon, mais... On va se servir plus souvent des trampolines. Mais... Hop. Si elle est construire l'autre échelle. Ah putain, ça rebondit sur toi, je crois. Oh, il est parti.
Oh putain, je me suis dit, c'est quoi ce truc noir? De quoi? Corbeau. Papa, je tire. C'est trop bien, ça échappe trop bien. Bon, ça va, tu tires beaucoup mieux que moi à les lancer en tout cas. Hein. J'ai trop de mal. Ouais, mais parce que c'est ce genre de jeu. Fini. Une vie qui fait des trucs comme les vieux au bout de 2 secondes. Mais je suis venu faire quoi là? La gueule, moi. Comme Denis y va. Mais où est-ce que je vais? Putain, ça me suit. Oh, c'est dommage quand même. Ok. On est bon. Presque. Oh, ouais, ça c'est bon. On est. Voilà, parfait. Bon, maintenant. Il manque 2 herbes, merde. Il te manque 2 herbes. C'est bon. Et merde. Je vois des herbes tomber de partout. Vas-y, tu peux monter, faut que je te les envoie. Bordel. Mais merde, ça a marché ou pas? Putain, la merde. Chier. T'as hâte de te marrer? T'es la gueule. Hein. C'était un peu rigolo. Non. Je n'ai pas aidé ici. Hein. Bon, c'est très drôle. Plein d'herbes. Alors, ça, on les descend. Là, non, je peux aller en bas. Et je vais t'envoyer les herbes. Il faudrait que tu m'attendes. Différents étapes. Bon. Merde. Ah mince. Ça me fait prendre l'échelle si je fais E. Je crois que je sais pas que t'es en dessous. Et un x8 au total. Combien là? 6 ou 8? Ah, je sais pas. 1, 2. Entre 6 et 14. Tiens, j'envoie les autres. Je pense qu'il y en a 8 en vrai. Tiens. T'es où? Je te vois pas. J'avoue, je regardais le sol en herbe. N'importe où. Je regardais là. Et tu m'as pas dit. Le ciel, c'est où?
Demain, Among Us, c'est à 18h. Ah mince, fallait que je vois avec Anté et avec Yarnel. C'est jeudi. Il faudrait que tu montes sur l'échelle et que je te les envoie pareil. Y'a pas besoin de les envoyer. Y'a pas le truc pour les. Ah oui, c'est vrai. Bon, projet d'envie, c'est. On aura pas d'autre chance. Voilà. Ça, c'est retombé sur moi. Projet d'envie, c'est de d'aller là, de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté. De passer ce mur de pierre parce qu'en fait, au-dessus et de l'autre côté, il y a des trucs. Ouais, mais surtout d'avoir, de pouvoir y aller vite. Hein. Ça. Ah bah attends, il faut faire encore un plancher. Hop. Hop, ok. Copie avec la molette. Ah oui? Ouais. Oh putain, je sais pas. Ouais, voilà. T'es trop fort. Voilà. On est bon. Quand tu jettes tout. Mais il caille. Bon, je laisse là au cas où. Me servir, c'est. Oui. On va juste ramener le parterre de. Voilà. Parce qu'en fait, voilà. Bon, bah, c'est bon, cette partie là. Et ça marche. Essaye juste d'y aller pour voir si c'est pas une partie bloquée. Si c'est ça, du ça jeu. Suite. C'est sûr. Okay, j'ai vu des insectes sûr. Volants en fait. Ouais, j'essaie, mais bon. Mais j'ai pas essayé parce que c'est un peu abrupt et j'ai peur de mourir. Pas grave, là, c'est bon. Réussi. C'est bon, c'est du jeu. Oh, ça va être trop bien. Ok, et bah go, c'est bon. Va aller dans l'eau. Mais tu vois, on aura un raccourci. Parce que, en fait, cette partie de jardin, elle est grande, il y a plein de choses et tout. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas ça va pas être rapide d'y aller, c'est sûr. Enfin, je sens qu'il va falloir même passer dans la flotte, remonter. Il y a des moustiques tigres. Alors là, faut que je les analyse. Je crois que tu voulais pas y aller, Nana. C'est vraiment ça en plus, putain. C'est des moustiques tigres. Tu les as reconnus direct. Bon, de toute façon, ils m'ont été. Ils sont rayés. C'est ça. Il y a des points blancs partout. Bah, c'est que je voulais pas y aller comme ça, maintenant que tu l'as fait. Moi, je m'étais dit, j'ai peur de brûler des étapes. En faisant comme ça. Ouais, je sais pas si le jardin évolue finalement, je me dis que pas pour les temps. Il va nous falloir l'arme en 3 pour faire des trucs, on aura. En fait, il est quand même grand, hein. Elle est grande la map. Enfin, bah ouais, hein. Je pensais pas du tout. Vraiment été que... augmenté, vénère. Bon, j'ai besoin de toi, faut que tu m'ouvres la porte. Faut que je t'ouvre la porte. Ouais, j'ai le truc de merde. Attends, je l'ai posé 2 secondes. Ah oui, 2 secondes. Bah j'arrive. Attends, mais je peux peut-être le poser là. Ah non, mais c'est bon, c'est de l'autre côté, c'était ouvert. J'ai vu. Oh, t'as pris celui du fond qui est le plus dur à mettre. En fait, il était rempli. L'autre était pas rempli. Pourquoi il y a une masse à deux mains? C'est moi qui l'ai acheté? Je sais pas, c'est peut-être pas la mienne. Mais j'ai jamais pu la ramasser. C'est la tienne? Ok. Ah non, oui, le mine est là. Ok, bon bah enfin, putain, c'était chiant. Bah, c'était pas très long en vrai, c'était juste un peu relou. Mais... On peut pas dormir avant 21h. Bon, et du coup, tu avais flotte ou fourmi noire alors? That's au final not so bad. Et je suis de la flotte. Moi, ça va être rapide en fait. Ouais, mais c'est que bah, celui de la flotte, vu qu'on a déjà exploré, est-ce qu'on aurait pas oublié un truc? Enfin, je sais pas, ou alors c'est peut-être un bug du jeu qui nous affiche un truc qu'on a déjà. C'est peut-être aussi ça. Parce que c'est bizarre. Mm. Ouais, ça me fait un peu penser à ça, moi. Bah sinon, ouais, fourmi noire. Du coup, c'est 4ème labo. On verra bien si on a besoin d'y retourner, hein. Il manquera une puce. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Pourquoi j'ai mangé? J'aurais pas dû manger. Ok, hop. Allez, dodo. On peut pas encore. Ah ouais, 21h. Late, hein. Du coup, tu vois, on a pas mal de raccourcis. Et je me dis, j'espère, regarde, je me pose quand même la question de me dire, est-ce qu'à un moment, il faudra aller dans la cabane de jardin? Il
clairement des choses, hein. Y a même une... Bah oui, en fait à un moment faudra aller là-bas là. 100 cm. Et là aussi il faudra se faire une tyrolienne, ce sera beaucoup trop pratique. Oui oui, bah je dis pas le contraire, c'est juste que j'attends de voir comment le jeu veut qu'on y aille quoi. Mais là c'est trop loin. Mais il y a une batte de baseball on dirait qui monte sur la chaise, donc déjà tu sais que tu vas pouvoir monter sur la chaise avec ça. Ouais. Après je vois pas, c'est trop flou. Il est trop flou. Et toi le flou. Dague osseuse, est-ce que je l'améliore un petit peu avec lesquels qu'on a chopé? Genre une ou deux fois. Tu pourrais peut-être améliorer ton arc toi. J'en ai transformé 30 des pierres. Oui c'est vrai. J'avoue que je pourrais sûrement... Il est bien l'arc là. C'est là. C'est bon, je peux améliorer. Je regarde un truc, excuse. Croxel, j'avais déjà amélioré. Ouais, je peux, ouais. Oh, ça m'en demande 10 sur 35. Moi, Coccinelle, il me propose... Attends, j'aurais bien amélioré vite fait. Les plaquages robustes. Oui, mais c'est la suite. Ah d'accord, c'est normal. C'est les plus rares, là. On peut même pas les craft pour le moment. Ah, je pensais que... Tu sais, on les a, les trucs robustes, on en a chopé quelques-uns. Mais on peut pas les... T'as fait un lycée à champignons? Ouais, je regarde dans le truc, il doit bientôt finir. Ah oui. C'est dans quel truc? Ah, c'est là-dedans. Je voulais. Regardez pour améliorer la masse, mais ça coûte 6. Je rends 3. Je le fais. C'est trop. Bah, il y a écrit analyser, et là, il n'y a pas écrit analyser. Bon, je vais. Il est quelle heure? Non, mais le lisier, oui. Toi, c'est pas le lisier que tu voulais, c'est l'autre truc. Mais pour le truc, il faut construire le nouveau bâtiment. Oui, mais c'est. Hein. En fait, c'est bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un des trois pots où il y a écrit analyser. Tourner. Il nous faut du marteau de char. Everchar, oh là. D'accord. Il y en a aussi un totem à tête de fourmi. Bah quoi, on avait déjà ça. C'est quoi donc avec des photos d'AliExpress? Tu l'as mais sans aucun contexte ni aucun indice, il faut deviner à quoi ça sert. Je pense qu'il faut beaucoup de recherche quand même. Mais j'avoue que ça a l'air marrant. Mais toi, faut que t'arrêtes de te perdre sur AliExpress, là. T'avais un objectif à la base, je te rappelle. Ouais. C'est bon. Moi, je suis en attente, hein. Moi aussi. Non. C'est le chargement. Ouais. Un petit peu long. C'est rond. On est là. Ah mais c'est là qu'il est le vélo, c'est de l'autre côté justement. Ouais. Bon, on doit manger. Toujours dans les jeux là. Rien à manger. Ah, et avant que j'aille me faire à manger. Je vais juste m'améliorer parce qu'on avait récupéré des dents. Je vais mettre de la santé en plus. Prends-toi des bandages en fait. Ouais, j'en ai 10, mais moi il me faut de la bouffe. Ouais, chaque fois, quand même pas si mal d'être proche de ce labo. Surtout que je sens que l'endgame il y aura des trucs. Ouais, elle est tout. Il y a la carte du responsable adjoint là. Ouais. Oui. Je pense que c'est au-dessus l'araignée, l'araignée champignonne là, qui doit exploser de partout au-dessus. On a 3000 de science encore. Oui,
Je me demandais si on économisait pas. Le gravillon. Bah ouais, c'est pour ça que je me suis dit on va économiser pour la prendre. Putain, mais on a trop de... Je fais trop de chance dans le jeu. Ah, on a un mythe molar, mais on peut rien en faire. Bah ouais, faut attendre. 3, ah oui, moi j'ai 3 trucs. Alors 4, sinon je vais prendre une autre mutation active. T'as envie, quoi. Non, je prends santé. Et du coup, pour les mutations, tout de suite, je vais prendre l'épée, je vais prendre barbare et je vais prendre Fourminator. Voilà, comme ça. Ah ouais. Et défoncer les gens. Ça aussi. Je me fais un bouffer. Je me dis qu'il y a un moment qu'on va retourner dans les parties du début de jeu et tout, peut-être à certains endroits pour voir si on n'a pas oublié dedans, tu sais. Bon, je pense qu'on a quand même trouvé pas mal. Ouais, parce que en fait les dents, on a surtout au début, on a vraiment pris celle du début, je pense. Bon, ça pourrait être intéressant d'en faire un tour, mais il faut avouer que la zone du départ, on y est souvent repassé aussi. À part... Je suis presque sûr qu'il y en a une là où on atterrit déjà, on apparaît. Ah ouais. Mais oui, on a sûrement pris la plupart, mais pas tout. Mais tu vois, au final, je me dis, on pourrait faire une échelle facile, en fait, là-bas, là, tu sais, pour descendre et remonter, finalement. Où ça, là-bas ? Avec la technique utilisée. Herbe Adventis et Capuchon, là. Je vais en prendre au cas où. Bah, aux fourmis noires, tu sais, pour remonter. J'ai pris 20 capuchons au cas où, voilà. On est parti. Prends-toi des torches, une torche au moins. Déjà. Et de la bouffe, t'en as ? Ah ouais, je crois que j'en ai une. Attends, j'ai pas pris maître d'armes, j'en ai pas un peu. Ah, j'en ai une. Bon, vu comme c'est long, je commence. Hein. Ouais, maître d'armes. Alors, attends, c'est quoi? Moi, j'ai pris maître d'armes barbare et... Moi, j'ai pas barbare. Et fourminator. Ouais, barbare, c'est à gauche du maître d'armes. Et je l'ai pas. Ok. Et je sais pas comment je l'ai eu. Moi j'ai pris le bouclier humain. Barbare, ils disent force téméraire. Tu aimes utiliser les... Ah, des armes de taille. Ouais, ça sert à rien en fait. C'est que quand je suis en deux mains. Donc en fait, je peux virer barbare. Bon, je vais te mettre de la parade. Ton timing impeccable te donne un avantage extrême. Du coup, je prends maître d'armes fourminator pour augmenter les dégâts. C'est pas mal. Vitesse de coupe, on s'en fout. Célérité, natation, hyperactivité, réanimation, hydratation, endurance maximale, santé maximale. Moi, je prends santé maximale au pire. Voilà. Ah, j'ai doublé la santé de base du jeu, quoi, en gros. Ok, bah, je suis arrivé. C'est quand même rapide, hein. Irolienne. C'est juste qu'après, on la situe mal, la fourmilière noire. Faut la... Je vais rester en haut pour essayer de la trouver. Sur ce, je vais arrêter la VOD. Des bisous VOD.